Et bonjour à tous les amis, c'est Eli, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du film 5 de Pokémon, les héros Pokémon je crois. Donc c'est la troisième et dernière partie je pense parce qu'on était proche de la fin. Ça faisait quelques semaines que j'ai plus mis de vidéo sur ce jeu, là ça va être normalement ouais, la dernière donc... voilà au moins on finit le film quoi parce que j'arrête et c'est pas fini, enfin je fais une pause et c'est pas fini donc non ça va pas. Ça va pas. Donc voilà, je vais finir ça normalement aujourd'hui. Donc on devait se rendre au musée, j'ai un peu regardé pour me remettre en mémoire ce qu'il fallait faire. En fait, on avait eu Latios qui s'était fait kidnapper, si je dis pas de bêtises, et Latias qui nous avait permis de voir ce qu'il se passait au musée. Du coup, notre objectif est de nous rendre au musée. Alors, le musée, je sais plus où il se trouve. Je sais plus où il se trouve, dis donc. Ah mais d'accord, faut faire tout machine arrière là où il y avait des dresseurs avant, non? Ah non, non, c'est bon, je vois où on est. Et j'ai fait demi-tour. D'accord, j'ai fait demi-tour en fait. Très bien, alors je ne sais pas en fait du tout où on est. Mais alors il fallait peut-être que je le prenne ce petit... genre ce qui ressemblait pour moi à un... Enfin, en direction du port quoi, ça a l'air d'être en direction du port mais en fait... Il faut... Ah non, il faut... Oh, il y a un Ptera. Non, Ptera, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais le Ptera, c'est pas le... Il est quoi? Il est à la team... Enfin, il est à la team Rocket? Mais pourquoi il fait ça? Yo, l'eau est profonde... Enfin, l'eau est bleue, profonde. Voilà, est-ce que vous voulez surfer? Oui, on va faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Laisse la chasse tranquille. Et Kabutops qui arrive derrière. Ah, mais oui, c'est la... Ptera et Kabutops, c'est les Pokémon fossiles qu'ils ont... Ils ont fait revivre grâce à la puissance de Latios, je crois. Ah non, mais d'accord, on va devoir les combattre. Ah, mais d'accord, c'est comme le, comme la course du début. Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, c'est comme la course du début. Alors, on va essayer de le paralyser. Et non, parce que je vais sûrement me faire défoncer. Hein, je pense pas survivre. Voilà, ça m'aurait étonné quand même. 9 niveaux d'écart, il est type proche. Enfin, ça aurait été étonnant. Hein. Ça aurait été très très étonnant. Bon là par contre ça risque d'être plus dur pour lui avec avec mon petit crocodile. Ok mais bah, sa vitesse bon est déjà plus rapide donc ça va, c'est pas un problème. Est-ce que je le mets KO au moins la moitié? Bien. Et il est encore la moitié. Oh ok d'accord. Donc c'est l'inverse avec Grimace, c'est l'inverse. Je deviens plus rapide. Ce qui n'a absolument aucun sens. Ça dépend après l'attaque qu'il allait faire. Peut-être qu'il allait faire une attaque où il est obligé d'attaquer en dernier, je sais pas. Ouais, je sais pas. Bon allez on continue, on s'en est débarrassé de 1 déjà. Allez, Latias. Est-ce que tu vas bien, Latias? Et Kabutops qui va arriver, non? Ouais, Kabutops me disait aussi. Non, ne t'inquiète pas, Latias. Ouais, ok. C'est obligé, hein, parce que on n'allait pas combattre que Kabutops. On fait pas de jaloux ici. On fait pas de jaloux chez Pokémon. Quilava. Ouais, mais en fait, j'aimerais qu'il me mette KO. Je lui fais un brouillard et après, je vais changer, en fait. Tant pis, hein, je voulais... En fait, je voulais pas faire perdre de PV à Macronium, mais bon, quand même, faut pas exagérer. Voilà. En plus, avec un peu de chance, il va peut-être rater son attaque, on va voir. Après, on devrait réussir. Ok, donc, il me baisse ma précision aussi. C'est pas grave. Ça rate jamais, feuille magique. Qu'est-ce qui se passe? Ah, désolé, j'avais appuyé à côté, je crois. C'est que ça rate jamais, feuille magique, j'avais oublié. Allez, là, ça met KO normalement. Parfait. Voilà, on s'est débarrassé des deux. Et après, du coup, je sais pas, ça continue jusqu'à où la course. Voilà, bien. Bien, 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 bien. Du coup, maintenant, on s'en est débarrassé enfin. Qu'est-ce qu'ils sont collants? Oh, il y a un tarpeau et un ancien fer. Ah, vous êtes ceux de. Vous êtes les Pokémon de Pierre et Ondine. Ah, il a un tarpeau. Je me rappelais pas qu'il avait eu un ancien fer au final et qu'elle, elle avait eu un tarpeau. Je me rappelais pas. Ah, je leur en dois une. Allez, allons-y. Et comment ils ont réussi à les faire sortir? Ah, la voilà. Non, pas encore ce gamin. Il n'est pas trop tard pour arrêter ce que vous êtes en train de faire. Ah oui, parce qu'ils sont accrochés avec une toile d'araignée. Juste retirer le bijou et relâcher la chose maintenant. Ah, on dirait que papy... regarde papy, je m'en fiche de... Enfin, je me fiche que cette ville s'effondre. Car avec cette machine, j'aurai le pouvoir de contrôler la terre entière si je le veux. Maintenant, amusons-nous un peu avec ces deux-là. Ils ne vont pas nous faire perdre encore plus de temps. Alors, nous on est où en fait? Ugly, ok. Parce qu'on est où? On n'y est pas. Enfin, ils nous ont vu, je sais pas comment. Ok, finissons. Oh, ce serait trop bien qu'on dirige Latias, qu'on puisse combattre avec Latias.
Oh non, l'eau arrive de toutes les directions. Il est trop tard pour lancer mes Pokémon. Ah oui, pour lancer un genre lancer Crocodile, c'est trop tard. Donc je suis poussé dans toutes les directions et voilà, je suis dans les remous. Non, ça ne peut pas finir comme ça. Et Latias va nous sauver, j'imagine. Ah ouais, Latias, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il a fait quelque chose? Ok, après mieux de partir, enfin d'y aller. Quoi? Comment ils se sont échappés? Comment ils se sont échappés? Mais qu'est-ce qui arrive à mon panneau de contrôle? Quelque chose ne va pas, je perds tout le contrôle. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, mais est-ce que j'ai pas Latias avec... Non, je veux pas Latias. Je me suis dit peut-être. Bon allez, on va les rejoindre. Je crois que c'est un peu au-dessus, non? Ah, bonjour. Toi encore, reste en dehors de ça. Ils sont dégoûtés. Leur plan tombe à l'eau. J'ai pas bien compris pourquoi, j'aurais bien aimé que j'en sois à l'origine. Mais j'ai pas bien saisi, exactement. Ouais, Météor, ça va, je sais pas pourquoi il fait pas psycho. Il est peut-être pas psycho en même temps. Ouais, je sais pas. Ok, on continue sur... Oh purée, mais à chaque... Oh, mais à chaque vidéo, j'ai un problème de batterie. C'est terrible. Mais je vous promets, c'est terrible. Ok, bon, allez, je me dépêche. Oh, je suis vraiment nul, hein. Ce n'est pas pro. Bon, je dis pas que j'ai prétendu être un pro à un moment, mais quand même. Bon, allez, normalement, ça devrait aller. Ok, super. Déjà, de 1, je sais pas si on va recombattre Migalos après. Ok, niveau 33. Bah écoute, c'est génial. Et je sais pas si on va, à cause de toi, Oakley... Non, à cause de toi, Oakley ne peut plus contrôler le DMA maintenant. Ah bah c'est le but, ma petite, c'est le but. Donc là on se dirige vers le Migalos, ok, c'est ce Migalos qu'on va combattre maintenant, ok. Donc là ça devrait aller, bon par contre, je sais pas s'il est plus rapide ou pas. Ah dommage, il va mettre KO ou pas. Ouais, là j'ai mal joué le coup, j'aurais pu le soigner en plus, ça me coûtait rien. Tiens, Fampi, niveau 24, j'ai pas souvenir qu'il était si fort, dis donc. Là, on va tenter de partir sur des roulades, 29. Ouais, on va tenter, hein, écoute, ça peut faire quelques dégâts quand même, je pense. Ouais, il fait Shadow Sneak. Et ok, il peut me faire encore un ténèbre, du coup, je peux faire encore un roulade. Fury Sweep, je sais pas pourquoi il fait ça. Ouais, ça fait quand même quelques dégâts. Ok, deux fois. Ouais, très bien. Et là, il faudrait qu'il fasse je sais pas quoi. Faudrait pas qu'il me mette KO. Sucker Punch. Je sais pas s'il va me mettre KO avec Sucker Punch. Ok. Mami KO, c'est pas grave. Et on va finir avec Noirfang. Ça devrait aller avec Noirfang normalement. Pic-Pic. Ouais. C'est suffisant, Pic-Pic. Ok, super. Niveau 24 en plus. Donc, est-ce qu'il nous reste encore quelqu'un à combattre? Parce que là, on a battu tout le monde. On a battu les fossiles. On a battu ces deux horreurs là. Enfin, non, pas Mentali. Excuse-moi, Mentali. Oh non, j'ai insulté Mentali. Non, juste Migalos, l'horreur. Donc voilà, on les aide. Est-ce que vous allez bien? Oui, je pense. Donc, c'est Bianca, il s'appelle. Et lui, c'est comment déjà? Je sais plus. Allez, on doit se dépêcher et éteindre le DMA, la DMA, avant qu'il soit trop tard. Allez, t'as raison, dépêchons-nous. Oh, bonjour, ils se font coucou. Ouais, il voit qu'il est enfermé. Latias, arrête, tu ne peux pas traverser cette barrière d'énergie tout seul. Latios, toi aussi tu vas devoir attaquer. Ellie, Latios est beaucoup trop faible. Si nous voulons sauver Latios, nous allons devoir attaquer cette barrière des deux côtés. Allez, viens Latios, je sais que il te reste encore un peu de force. Utilise-la et on pourra sortir d'ici. D'accord, mais je combats qui là? Je veux pas combattre Latios. Mais je veux pas combattre Latios. Mais pourquoi il me fait combattre Latios, ce petit? Bon, on va voir ce que ça donne. Ça va pas être facile, ce combat, je sens. Ça va pas être facile. Ah, faudrait le geler, ce serait parfait, mais... Ouais, je lui fais pas beaucoup de dégâts. Hein. Ouais, c'est compliqué. Mais je vais jamais le gagner, enfin... Je vais me le gagner. Je sais pas bien ce que j'ai à dire, mais... Est-ce que j'ai un vampigraine? Parce que c'est le seul moyen que je vois pour gagner. Non, et ben on va l'empoisonner si on a le temps. On va jouer à ça là-haut. Non, j'ai raté mon attaque. Très bien.
J'ai raté mon attaque. Ah, et puis il va me paralyser un moment, donc... Aïe, aïe, aïe. Et comment je vais faire, moi? Ah, il faudrait pas qu'il fasse Draco Souffle. T'as que ça comme attaque. On va mettre Noir Fang. On va mettre Noir Fang. J'ai un plan. Déjà, il peut me faire deux Draco Souffle, ce qui est étonnant. Et voilà, je le soigne. Ensuite, il va sûrement me refaire Draco Souffle. Hein. Ça, pas de souci de ce côté-là. Et est-ce que je peux attaquer? Proar. Non, bon, je suis pas plus rapide, ok. Il m'aura permis de survivre en tout cas. Alors, et là, bah, il faut pas qu'il rate son poudre poison. Parce qu'après, je peux jouer avec le soin, tout ça, mais. Sinon. Oh le con! Oh le con! Putain. Dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Alors là, c'est pas cool. Ok, on va jouer à la synthèse. Voilà, ça économise des potions, écoute. Hein. On va jouer à ça. Hein. Le temps que son truc se barre, et puis le temps qu'il ait plus de Draco Souffle, au bout d'un moment, il va plus en avoir. Ok, ça devait arriver, ça. Ça devait arriver. D'accord, on va tenter encore le synthèse. Hein. De toute façon, il me met pas KO, donc la paralysie, ça gêne pas trop. Si jamais je rate synthèse, je me soignerai à la main, quoi. C'est ce que je veux dire. Attention. Ça commence à être compliqué. Ouais, là, on va se soigner. Il me met KO, je pense. Ok, il est plus protégé par truc. Allez, c'est sûrement le dernier combat. Mais je comprends pas pourquoi je le défie. Enfin, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que je défie Latios? C'est bizarre. Allez, pas de coup critique, s'il te plaît. Très bien. Ouais, bah, on continue. Hein. Mais attends, mais il y en a peut-être 15. Il y en a peut-être 15 sous Draco Souffle. Eh ouais, peut-être. Ah, il en a encore. Non, on en a 15. Il rate pas, ça sent. Non! Putain. Ah, désolé. Je suis allé trop vite, bon écoutez, de toute façon je perdais, donc bon. T'as 1584, je donne pas 1500 à un Pokémon. Ok, continue Latios d'essayer de... Ok, peu importe le résultat, peut-être que ça faisait pareil. Si j'avais su, j'aurais pas utilisé tant de potions. Ok, il a réussi à casser la barrière, Latios. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, il est en forme, il va pas mourir, j'espère. Oh Latios, tu vas bien. Et vous deux alors? Eh Ocly, la fête est terminée. Allez, réveille-toi. Annie, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je pense que tu en as pris un peu plein la tête. Je comprends pas, maybe. Peut-être que je réussirai à remettre la main dessus un jour. Non, je sais pas. Je comprends pas bien ce qu'ils veulent dire. Et du coup, on va se mettre devant eux, non? Pour les empêcher de partir. Ellie, comment tu vas? Je vais bien. On a réussi à désactiver la DMA et à sauver Latios. Hé, hey, Ocly, qu'est-ce qui arrive à la rosée âme? Elle est devenue noire et a un aspect étrange, regarde. Ah ouais, dis donc. Ne touchez pas à ça! Oh, 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 oh! Qu'est-ce qui se passe? La prophétie était vraie, la rosée âme s'est trouvée en dehors de sa fontaine, de sa piscine, pendant trop longtemps. Toute l'eau va partir. Oh, merde! Ah oui, là c'est peut-être le moment de se bouger, de se direct aller à la piscine, enfin à la fontaine. Toute l'eau est partie. Ah mais d'accord, non, toute l'eau part. Je croyais que c'était genre la rosée âme, elle contenait beaucoup d'eau. Et je croyais que c'est au contraire, il allait avoir encore plus d'eau. Et comment on va faire pour partir maintenant? Ah, je tuerais pour un jacuzzi maintenant. Oh merde, j'ai peur qu'il revienne. Qu'est-ce que tu veux dire? De qui il parle? C'est quoi le truc qui fait des tremblements de terre? Comme je le prévoyais, il vient. Enfin, ça vient. Latios. C'est un autre Pokémon. Ah ok, il y a un méga tsunami. Oh non, ils se sont pas sacrifiés. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le père. C'est leur père. Je crois. Non?
Non, qu'est-ce que c'est alors? L'eau est de retour. Mais où sont Latios et Latias? On ferait mieux de jeter un œil et de les chercher. Ok, donc eux, ils redeviennent des fossiles. En fait, tout ce qui n'allait pas est réparé. Ah. Ce n'était même pas. Ce n'était pas assez que nous ayons le plus joli des bijoux. Et il fallait que tu deviennes une folle. Et. Voilà. Elle m'énerve, elle deux. Je comprends pas ce qu'elles disent. Et puis ça sert à rien. Tu es celui qui a pris la rosée âme. Bien, et on devrait sûrement retourner à la maison. Oui, j'aimerais bien aussi. Oh, tu plaisantes. Oh, ça, c'est un problème. Oh, je n'aime pas trop me retrouver dans des endroits clos. Ah, tu n'es pas très forte pour fermer ta bouche non plus. Je vois pas le rapport. Lui, il me balance ça gratuitement. Latios. Latias. Ouais, j'ai peur que. Ah, si, ils sont là. Oh, purée, j'ai cru qu'ils étaient morts. Oh non, je me suis dit, mais faut pas exagérer avec la mort des Pokémon. Et Latias, où est Latios? Ah non, Latios par contre. Ah non! Oh là là. On dirait que comme son père, Latios a donné sa vie pour sauver la ville. Donc Latios est parti. Il est parti? Ou pas du coup? Qu'est-ce qui se passe? Ah, une vision partagée. Latios, est-ce que c'est ce que tu vois? Montre-nous. Hein? Voit la Terre? Enfin, elle est dans l'espace? La Terre, c'est tellement beau, tellement bleu. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? La musique est belle en plus. Ah non, une rosée âme encore. La chose? Oh, c'est tellement triste, oh non. L'âme de la chose réside maintenant dans la rosée âme. Ok, bon, ça casse un peu tout, la musique qui s'arrête d'un coup. C'est parfait, juste comme l'ancien. Nous avons un nouveau gardien d'Altomare. Merci pour avoir sauvé notre ville, Latios. S'il te plaît, reste avec nous pour toujours. Oh là 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 là. Bon, ça va, Latias a survécu. Il y a quand même eu un survivant, hein. C'est déjà ça, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Ils sont au port au sud du musée d'Altomare. Ah non, je sais même pas par où il faut passer. Ah si, voilà, il faut passer au sud, c'est vrai, il faut passer par là. C'est la dernière fois j'étais perdu, mais non, il faut passer par là. Voilà. Normalement. Non, au port, Arbor, c'est le port. Ah voilà, oui, si, c'est ça. Le port au sud du musée, c'est ce qu'il disait, oui. Et voilà, le même que d'habitude. Donc, Ellie, tu as décidé de t'arrêter à Arborville. Enfin, ouais, de t'arrêter à Arborville. Il s'est passé deux choses folles ici. J'ai entendu dire que tu étais celui qui avait été avec Latios et Latias. Enfin, qui était aux côtés de Latios et Latias quand ils ont affronté ce tsunami géant. Ah, ouais. Et, ok, là, ils sont encore entraînés, en gros. Il s'est entraîné encore, il va encore perdre. Bon, hein, au bout d'un moment, il est habitué. En tout cas, ouais, la fin du film 5. Ok, ça commence direct. Par un Florizarre. On va essayer de le paralyser si je survis, mais je ne survis pas. Ok, ça va être compliqué. Quilava, ça devrait aller. Ça va. Oh, ça va qu'il est niveau 33 lui. Alors, on va faire ça. Hein. Je sais pas si ça va lui enlever la moitié. Par contre, comme c'est un gros Florizarre, non, ça va. Ça va, c'est un gros Florizarre, mais bon, on n'est pas mauvais non plus. Donc voilà, on se retrouve en 5 contre 5. Donc, oh non, il l'enlève. Marowak, très bien. Oh, dis donc, bien joué. Bien joué, Furisson. Ouais, on va quand même l'attaquer. Écoute, je suis le froid de l'expérience. Après, il faut pas qu'il me fasse. Ok, il me fait que Frénésie, ça, il m'a pas fait Osmerang ou je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi il a pas fait ça d'ailleurs. Ça m'aurait fait mal, peut-être pas Mikaone. Oh, il exagère. Il exagère. Ça va pas te servir, ça va pas te sauver, mon ami. Ça ne va pas te sauver. Voilà. Ouais, du coup, il peut recommencer une attaque. J'espère qu'il va pas faire d'attaque sol. Ah, avec Crocodile, on en serait déjà débarrassé, hein, c'est sûr. Ah, bonne Meringue, voilà. Bon. Est-ce que je survis? Normalement, il le fait que deux fois. Ok. Bon, cette fois. Cette fois. Ah, il est peut-être KO. Ok, c'est bon, cette fois, il est KO.
Ok, très bien. Il faudrait qu'il renvoie Florizarre, comme ça on s'en débarrasse aussi du Florizarre. Ariados. Ok, on va laisser Quilava. Enfin, Fleurisson, pardon. Aïe, 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 survie, s'il te plaît. Ok, super. Ok, bien. Je pensais pas que tu le mettrais KO. Très bien. Bon, il se débrouille vraiment pas mal. Noirfang. D'accord. Je sais pas qui mettre. On va mettre Fampi, puis on va le lancer dans dans les roulades. Hein. Je pense que c'est pas mal. Je vois pas ce qu'il pourrait me faire de. Il me ferait bien mal. Ok, bon, il monte la défense. Ok, bon, déjà si j'arrive pas à faire roulade, c'est un peu dommage. Choc mental. Ouais, ça va. Ah, j'en serais déjà au deuxième roulade, c'est dommage que j'ai raté. C'est pas grave, on continue. Quai. Oh, par contre, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Ouais, du coup, je lui enlève pas beaucoup, il va me mettre KO juste après. Parce que je crois que ça rate jamais, donc. Ok, dommage. Dommage, dommage. Du coup, on a qui craint pas trop. Ouais, on va mettre Crocodile. En plus, il a Crogivre. Après, je crois que je n'ai pas d'attaque super efficace. Allez, survie un petit peu quand même. La moitié. Ok, tout juste la moitié. 78, ça ferait. Ouais, d'accord, je lui fais rien du tout. Ah, mais oui, mais il a le reflet, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié. Choc mental. Ça va. Et là, ça le met peut-être KO. Ok, c'était suffisant. Bien. Qu'est-ce qu'il lui reste toujours son Florizarre, hein. Ok, bravo, Crocodile. Ensuite, Florizarre. On va voir si Crocodile il peut attaquer en premier et peut-être le mettre KO. Ok, non, il n'est pas plus rapide. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va donc passer à Furisson. Je crois qu'il est encore vivant. Oui, il me semble qu'il était plus rapide, donc ça devrait aller. Je crois qu'il était plus rapide. Oui, il est plus rapide, c'est bon. Voilà, Florizarre en moins. Il y en a qui n'auront pas combattu du coup. Hein. Macronium, il aura. Enfin, Macronium et Noirfang n'auront pas combattu. Et il évolue niveau 34, je crois. Lanterne. Ah, le chiant un peu pour la fin. Je sais pas, le haut électrique, j'ai jamais aimé. Enfin, combattre ce Pokémon. En avoir un, au pire, ça ne dérange pas. Mais combattre, j'ai jamais aimé. Je sais pas pourquoi, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Augmente la défense. Et la défense spéciale, d'accord. On va l'empoisonner. Parce que sinon, on n'y arrivera pas, je pense. Split up, bah, c'est balance, ça, non? Non, c'est quoi? Hein? Ah, mais c'est relâche. Non, ça me. Ok, c'est vrai qu'on peut utiliser ça pour faire des dégâts aussi. On peut utiliser pour récupérer des PV, mais aussi pour faire des dégâts. Bon, écoutez, j'ai fait deux fois cette attaque. Ça a raté deux fois. Allez, il va nous embêter, lui, je sens. Allez, voilà. Déjà, ça devrait bien nous aider. En plus, il y a le petit bruit de. Oh, ça fait trop bizarre. Ouais, feuille magique, hein, écoutez. Non, il m'y fait vraiment aucun dégât. C'est dingue, même pas une dizaine, non, un seul. C'est terrible. C'est terrible. Bon, et peu importe, tant mieux pour nous. Et c'est parfait. Après, avec le poison, ce sera bon. Je crois que c'était son dernier. Si je dis pas de bêtises. 1679. Ok. Enfin, c'est tout ce que ça lui fait. Oh, il a encore un. Ok, on va faire avec Macronium, ça devrait aller. Avec des feuilles magiques, ça fait pas mal quand même. Ok, ça va. Tant qu'il m'enlève pas la moitié. Ok, c'est un coup critique, ça va. Continue avec feuilles magiques. En tout cas, là, ça devrait être le dernier. Attends, t'es dur ça. J'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. T'es dur ça. Mégalos. Florizarre. Lanturne. Noirfang. Non, c'est pas lui qui avait un Noirfang. Si, c'est lui qui avait un Noirfang, je sais plus. Ok, c'était bien le dernier. Je suppose que mes Pokémon ne sont pas encore assez forts pour affronter des dresseurs comme toi. Ah là, tu devrais comprendre la leçon. Bien. Je suppose que. J'aurais dû m'y attendre. En sachant que mes Pokémon avaient évolué juste avant ce combat. Allez, je vais rester ici un petit peu plus longtemps. Fais attention de ne pas tomber dans un autre danger de tsunami. Et puis j'ai beaucoup de travail avant de devenir un dresseur expérimenté. Alors on va sauvegarder parce qu'après il va y avoir la fin du film, on pourra pas sauvegarder. Et du coup je pense qu'il faut parler à ce monsieur. Allez, c'est parti, tes amis ont déjà payé pour le ticket. Est-ce que tu veux embarquer? Très bien.
Et je crois que c'est bon. Et là, il y a le bateau qui part, ok. Donc ça, c'est Lorenzo. Hey Lorenzo. Donc, ok, lui, Sacha, il a le pouvoir d'arrêter les bateaux comme ça. Ellie. Merci pour tout. Oh, tu pars déjà? Ok, Bianca. Bianca est allée à la boutique, mais elle est peut-être toujours dans le coin. Ok, vas-y, va la chercher. Bianca, tes amis partent. Elle est là? Non, elle est pas là. J'ai peur que vous veniez juste de la manquer. Dites-lui merci et au revoir. Oui, et merci. Ouais, on a vraiment passé un merveilleux moment. Ok, revenez et quand vous voulez. Allez. Bah oui, voilà, j'allais dire, on va vraiment partir sans. Bianca, est-ce que. Hey, commandant. Ok. Est-ce qu'on peut se rapprocher? Hey. Oh, les au revoir larmoyants. Quelque chose pour moi? C'est un bisou? Oh! Toi, tu. Attends, elle a fait un bisou. Bye, au revoir. Mais attends, est-ce que c'était Bianca ou la tiasse? Je ne sais pas. Mais je suis très très jaloux. Qu'est-ce qu'elle t'a donné, Ellie? Une photo. Ah. Ça me dit quelque chose. Une image de moi. C'est qui l'a dessiné? C'est. Ouh! C'est pas vrai? Non, d'accord. Mais c'est normal. Ok, il y a 1 million de Latias et de Latios. Mais c'est super. C'est super. Ah. Ça fait beaucoup quand même. Lorsque je suis parti d'Alto Mare, une question d'Ondine me restait en travers de l'esprit. Est-ce que c'était Bianca ou Latias qui m'a embrassé? Non, mais attends, il a vraiment été embrassé? Non, c'est pas vrai. Faut que je vérifie dans le film. C'est pas... Non, maintenant, je me... Enfin, bref, j'ai vu une horde de Latios et Latias voler près de nous. Toutes ces questions m'excitent encore plus et me donnent... m'excitent à propos d'un éventuel retour à Alto Mare. Film 5, complété, et voilà. Avec Latios et Latias et Pikachu et la rosée âme contient telle une Pokéball, c'est un peu dégradant. Enfin bon, on se retrouvera pour le film 6, je ne sais pas trop quand. Je vais pas enchaîner avec le film 6, je vais déjà poursuivre les autres let's play, je vais avancer les autres let's play. Donc voilà, je vais pas poursuivre tout de suite avec le film 6, mais ce sera quand même dans pas longtemps, je suppose. Voilà, en tout cas merci à tous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Est-ce que vous connaissiez déjà le film 5? Voilà, dites-moi. En tout cas merci à tous et à très bientôt, bisous bisous, bye.